Oui, j'ai trouvé mon crayon. Un sourcil. Mérité. C'est. Blond classique. Une chose qu'on va faire avant. On les brosse. Certaines youtubeuses les brossent par en bas, comme ça, pour faire la ligne avec le crayon. Puis il y en a d'autres qui les mettent par en haut. Moi, j'en vois pas la différence, là, honnêtement. Okay. C'est juste pour mettre un peu de couleur, là, parce que j'ai pas beaucoup de sourcils. Mon but, c'est pas de ressembler à une. À quelqu'un d'autre que moi, là. Bon. OK. D'autre côté. Ouais, ça me semble un peu égal, quand même. OK. Ceci étant fait, sourcils, yeux, cils, c'est fait. Maintenant, on passe à une super, un super bout de la vidéo que j'aime. Je ne sais pas du tout de qu'est-ce que je vais prendre. OK. Je vais prendre ce que j'ai sous la main. C'est la palette MAC de l'édition Noël, l'édition limitée. Je vais probablement prendre celle-là et celle-là. Il y en a une qui est complètement brune avec quelques brillants, et l'autre est comme rose avec des sous-tons vert-orange, il me semble. On va tout réestomper ça avec le fard à joues après. Un tout petit peu dans le front. Un tout petit peu. Parce que sinon, mon chum n'aime pas ça. Échapper. On nettoie le pinceau. Bon, OK. Ensuite, comme highlight, ça, tiens. OK. Comme highlight, on va prendre, ben, c'est la palette MAC édition limitée de Noël. Je vais prendre le petit blanc ici. Et on va voir ce que ça va donner. Ouais. Peut-être en rajouter un petit peu plus. Ouais, OK. C'est sous un maquillage discret. Ouais.
Ça a bien du bon sens. Ensuite, je l'ai-tu serré? Le fard à joues de MAC. Il s'appelle tout simplement Peach. C'est un mat. Il semble que j'en ai mis beaucoup là. Ça me semble mieux de ce côté-ci. Mais de ce bord-là, je me suis lâché lousse, hein? On récupère avec la Beauty Blender et le restant de fond de teint. Ouais. C'est un peu moins pire. On arrive au rouge à lèvres. Si vous êtes, vous savez pas lâcher, là, on est rendu rouge à lèvres. J'ai beaucoup aimé les éditions de Noël de MAC. Les rouges à lèvres, le... ça c'est un mauve. Ça c'est un rose. Non, j'aimerais mieux avoir un rose un peu plus punché. Ben oui, un rose plus punché. Mériquet en a un. C'est juste que je trouve un pinceau. Il y en a qui mettent du crayon. Moi, je trouve que ça assèche mes lèvres pour rien. Puis en passant, les rouges à lèvres Mériquet, ils sont super hydratants. Ils ne restent pas nécessairement longtemps sur les lèvres. Mais ils sont super hydratants. Et ce magnifique rose qui est capoté solide, c'est Fuchsia Espiègle. Non, oui. OK. Et moi, mis à part les autres rouges à lèvres, le Mériquet, je ne les mets pas directement sur mes lèvres, parce que parfois je maquille mes amis par plaisir comme ça. Fait que. Puis je prends les Mériquet quand je maquille. Tiens. Je me regarde encore dans le miroir. Là, j'ai l'impression que je ne vous regarderai pas dans les yeux du vidéo. Là. J'en remets un peu. Si vous avez de la difficulté, là, le conseil que moi, j'avais vu, c'est que, en fait, vous prenez un crayon et vous faites un X. Comme ça. Là, on le verra pas parce que j'ai déjà du rouge à lèvres. Fait un X. Comme ça. Et la même chose en bas. Puis, après ça, vous appliquez votre rouge à lèvres. Puis vous pouvez aussi y aller petit à petit, ou si vous mettez carrément le rouge à lèvres dessus, sur les lèvres, on ne se pose pas la question.
C'est tellement... Ah. Je sens pas que mes lèvres craquent. Je sais. C'est vraiment là, hydratant. Parfait. Parfait, parfait. Mais écoutez, pour ma première vidéo, c'est terminé. Je sais que ça a été long. Ah, non. On met le fixateur. Je prends le fixateur de Mac. Mes enfants ont brisé mon... Ah, ben, ils fonctionnent pareil. OK. Ceci dit, je m'excuse si ça a été long, c'est mon premier vidéo. J'enregistre avec mon téléphone. Le son sera peut-être pas top top. Vous pouvez me laisser des commentaires, des petits thumbs up. Commentaires négatifs dans le genre tu devrais arrêter de te maquiller puis de montrer ça sur YouTube. J'en veux pas. Je suis assez direct. Donc, des critiques constructives dans le genre, ben, tu pourrais peut-être te mettre de tel angle ou mettre ton téléphone à telle place ou ta lumière de l'autre côté. Ça, j'apprécie. Sinon, si vous n'avez pas aimé mes vidéos, mon vidéo, ben, passez, c'est tout. Écoutez-les pas. Puis écoutez un autre. Merci. Prenez... Ah oui. Bonne année. Bye.